Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des informations, des actualités d'aujourd'hui. Alors tout simplement, ils ont déjà ajouté une nouvelle arme à tambour, donc vous pouvez la voir, elle est ici. Donc c'est un pistolet mitrailleur avec un chargeur gigantesque et une cadence de tir rapide, donc c'est un peu la Thompson qu'il y a dans Call of Duty, franchement elle a l'air stylée. Et il faut savoir aussi que maintenant le mode terrain de jeu est disponible, donc j'espère qu'ils vont le laisser longtemps. J'espère que ça va pas être un mode temporaire qu'ils vont le laisser tout le temps. Mais bon, bref, ce qu'il faut savoir aussi dans ce mode de jeu, c'est que vous ne pouvez pas vous tuer à la pioche. Chaque construction que vous allez farm vous donne extrêmement beaucoup de matériaux. Par exemple, les palettes en bois, elles vous donnent 500 matériaux. Donc vous faites deux palettes, vous êtes full matériaux. Alors il y a des lamas partout. Alors les lamas, il y a une information qui me semble assez intéressante, c'est que tous les lamas ils sont sur toute la map, mais comme tous les coffres ils sont dans tous les coffres sont sur toute la map. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que les lamas c'est leur vraie position définitive. Donc ça voudrait dire que tous les lamas que vous voyez, eh ben quand vous lancez une partie normalement, ben il y aura une possibilité que le lama soit à tel emplacement que vous les voyez dans le terrain de jeu. Donc voilà, c'était une information que je voulais vous dire à propos de ça. Donc voilà, je pense que je vous étudie. À part que les parties durent 30 minutes et au bout de 30 minutes, la zone se rétrécit. Et donc, si vous voulez attendre qu'au milieu de la zone, faudra aller au milieu de la zone. Et puis, dès que les deux personnages meurent et qu'il en reste plus qu'un en vie, c'est top 1. Et puis, voilà, ça met fin à la partie et vous pouvez recommencer. En tous les cas, j'ai testé ce mode cette nuit. J'ai essayé de m'entraîner pour les constructions. Franchement, c'est assez bien parce que vous pouvez construire blindé et vous entraîner pour les constructions. C'est surtout pour ça que moi, je voulais le terrain de jeu. Après, vous pouvez faire des 1v6 contre vos potes, vous pouvez faire des matchs entre vous, donc 4 joueurs, vous arrivez dans une ville et vous vous tuez, vous entretuez en illimité. Franchement, c'est assez jouissif, vous pouvez vous réapparaître automatiquement, ça se réapparaît directement. Par contre, j'ai pas vu de mode spectateur, ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent parce que y a des joueurs beaucoup plus forts que moi et j'aimerais bien voir un peu comment ils se battent. Par exemple, Johnny et Trashdead, ils se battent ensemble, j'aimerais bien voir un peu comment ils se battent et tout ça. Donc voilà, je trouve qu'il manque juste le mode spectateur. Sinon, franchement, le mode de jeu est vraiment une tuerie. Donc profitez-en parce que je ne sais pas si c'est un mode temporaire ou si c'est un mode définitif. Donc profitez-en un maximum, essayez vraiment de vous entraîner dans les constructions parce que les constructions, c'est 80% des fights. Donc voilà, si vous arrivez à gérer les constructions, vous serez vraiment super fort dans Fortnite. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste pour vous tenir au courant des actualités de Fortnite. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et ciao. Peace.